Mais ce qui me marque particulièrement sur le carnaval martiniquais, en général, hein, globalement, je constate qu'on est parti sur le carnaval produit touristique pour la Martinique, hormis que nos élus n'ont rien encore compris de ce produit touristique parce que je trouve que les finances ne suivent pas. Il n'est pas normal qu'en Guadeloupe, il y a plus de 400-500 millions d'euros pour les groupes à pied. Et en Martinique, on ne peut pas nous sortir même 100 000 euros. Le MCC, c'était programmé à Saint-Joseph. C'est une manifestation qu'on fait habituellement tous les années. J'avais un accord avec un adjoint, le premier adjoint, qui était partant et ils ne se sont pas coordonnés. Et début janvier, on a fait la réunion et c'est là qu'on m'apprend qu'on n'allait pas faire le carnaval, la parade. Et cette année, on s'est dit, bon, on arrête pour justement faire venir un peu quelques membres et puis changer un peu la musique pour 2019. On a fait le choix de ne pas faire les vidées. Et comme on avait déjà pris des contrats dans des soirées, on va faire uniquement les soirées.